Ces cadres du parti comptent pour l'avenir qu'on nous enlève encore aujourd'hui. Au nom du président du parti, la chef d'Alain Diallo, et au nom de tous les vétérinaires et cadres qui sont là, nous prions la famille. Nous adressons toutes les condoléances d'attention à la famille du défunt. Tout à l'heure, nous prions la mosquée au repos de son âme. Donc, au nom du parti, au nom du président, nous réitérons encore toutes nos condoléances. Et nous ici tous, nous frustrons encore davantage ces crimes abominables que ce gouvernement, que ce régime de la cancelle nous fait sur le peuple de Guinée. C'est un vrai massacre qui est en cours. Ils ont encore des schémas pour continuer à massacrer nos jeunes et à tuer notre futur. C'est ce que nous refusons, ce que nous refusons. Donc que la famille comprenne que un sacrifice qui est fait pour nous tous nous compatissons à leur douleur. Pending au long, à une des FDG et autres partis de l'opposition. De dire exactement ce que nous ressentons. Aujourd'hui, nous avons encore et nous allons encore accompagner deux jeunes qui ont été tués à la fleur de l'âge, qui n'ont absolument rien fait. Dans une manifestation que les forces de l'ordre et le courage de venir avec des armes de guerre tuer les citoyens, c'est triste, c'est pénible.
Mais puisque Dieu existe, puisque M. Alpha Condé, aujourd'hui, il est président, le carré de Bambito fait partie de son bilan. Il y a plus de 100 jeunes arrachés à la fleur de l'âge qui n'ont absolument rien fait. Les forces de l'ordre ont le permis de tuer. Ils tuent quand ils veulent. Ils assassinent, ils rentrent dans les maisons. Ils déshabillent les femmes. Même ceux qui ne sont pas dans les manifestations, on les tue. Parce que l'impunité est garantie. Parce que M. Alpha Condé les a accordé l'impunité. Mais puisque Dieu existe, puisque le monde entier nous regarde, pendant des siècles et des siècles, on parlera de la Guinée, on parlera d'un président qui a fait 40 ans dans l'opposition et qui est devenu président et qui a tué au moins plus de 100 jeunes à la fleur de l'âge. Nous sommes tristes. Je voudrais ici, au nom de l'opposition républicaine, au nom des militants, des sympathisants, présenter nos sincères condoléances et prier Dieu le Tout-Puissant que nos frères reposent en paix. Mais ça ne va pas nous décourager. Nous allons continuer le combat jusqu'à ce que M. Alpha Condé comprenne un jour que nous avons le droit de manifester et que lui n'a pas le droit de le tuer. Vous avez vu ce qui se passe, vous avez vu des discours, vous avez vu des députés de la République qui demandent aux forces de l'ordre de ne pas venir avec des armes conventionnelles, de venir avec des armes de guerre et considérer une zone de la Guinée comme étant une zone occupée par des rebelles et qu'il faut les assassiner, il faut les massacrer. Députés de la République de Guinée, tout ça aussi sera noté. Et voilà, nous sommes tristes, nous allons les accompagner et nous allons demander à Dieu le Tout-Puissant de les pardonner et de les accueillir. Rentrer à la maison, on ne peut pas nous intimider ici, on ne peut pas intimider les gens de l'As Amdanaï Bambeto Kosa, le député qui a dit que l'As est un endroit de rebelles. Si vous avez des matins, oui, Dieu t'a